Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être ordinaire et avoir des résultats extraordinaires. Tu ne peux pas être ordinaire et avoir des résultats extraordinaires. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être naturel et avoir des résultats surnaturels. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être juste physique et puis avoir des résultats qui relèvent du spirituel. Ce n'est pas possible. Décider de devenir des hommes et des femmes spirituels. Parce que ce monde-là est spirituel. Décide de devenir quelqu'un d'extraordinaire afin d'avoir des résultats extraordinaires. Décide de devenir quelqu'un de surnaturel. Je ne dis pas que tu seras comme quelqu'un qui est devenu un peu fou, qui a pété les plombs. Non, Jésus était surnaturel. Ceux réellement qui se consacrent à Dieu, tu les vois comme ça physiquement, mais ils sont surnaturels. Parce qu'ils ont développé leur relation avec Dieu. Donc ce sont des choses surnaturelles qui arrivent dans leur vie. Là où on dit on ne peut pas, là où on dit on ne veut pas. Quand eux ils arrivent, les portes vont s'ouvrir. Parce qu'ils sont précédés par la nuée. Porte, élevez vos linteaux. Parce que le roi de gloire veut faire son entrée. Quand tu es précédé par le roi de gloire, les portes élèvent les linteaux. Tu vis ta vie à un niveau, à une dimension supérieure. Tu ne peux pas avoir des résultats extraordinaires pendant que tu es ordinaire. Tu ne peux pas faire des choses extraordinaires pendant que tu maintiens une vie ordinaire. Tu fais ce que tout le monde fait. Tu manges comme tout le monde mange. Tu t'habilles comme tout le monde s'habille. Tu parles comme tout le monde parle. Tu fréquentes les mêmes lieux que tout le monde fréquente. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les gens. Hein. Mais si tu veux avoir des résultats extraordinaires, décide de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tu ne peux pas être ordinaire, avoir un programme normal et puis tu as des résultats qui relèvent du surnaturel, qui relèvent de l'extraordinaire. Tu ne peux pas être naturel et avoir des résultats surnaturels. Tu ne peux pas être juste physique, tu ne développes pas ta relation avec Dieu, tu n'es pas un homme spirituel, une femme spirituelle et puis tu vas avoir des résultats qui relèvent du spirituel, de sorte que les gens puissent dire ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est du surnaturel. Tu ne peux pas avoir de tels résultats si toi-même, tu ne deviens pas surnaturel. Si toi-même, tu n'as pas développé ta communion avec le Seigneur. Si Dieu et toi, vous ne vous parlez pas. On a pris l'exemple de Moïse. Avant que Moïse ne rencontre le buisson ardent, quand il est monté sur la montagne d'Horeb, avant de rencontrer ce buisson-là, Moïse était naturel. Moïse était ordinaire. Moïse était juste physique. Il exerçait un métier de berger. Et il a fait ça même pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a été berger de son beau-père. Ce n'était pas mauvais, hein? Mais il n'était pas surnaturel. Il n'avait pas encore des résultats surnaturels, des résultats extraordinaires, des résultats qui relèvent du spirituel. Parce que Moïse n'avait pas encore une rencontre avec Dieu. Avant même de partir en exil, Moïse a tué un Égyptien qui était en train de battre un hébreu, parce que c'était de l'injustice, hein? Ce peuple hébreu là était devenu des esclaves pour les Égyptiens. Et lui étant hébreu, quand il a vu que un Égyptien est en train de frapper un hébreu, il est venu taper l'Égyptien et le gars il est mort. Donc Moïse, avant de vivre le buisson ardent, il était naturel, il était ordinaire, il était physique. Donc il avait des résultats qu'on a tous en tant qu'être humain, des résultats physiques. Mais quand il a fini de faire la rencontre avec le buisson ardent et qu'il est venu parler à Pharaon pour qu'il libère le peuple, pour qu'ils aillent là où Dieu leur avait promis de les amener, Moïse n'a pas eu besoin de frapper le fils de Pharaon. Le fils de Pharaon est mort. Pourquoi? Parce que Pharaon s'est entêté. Dieu a dit, si tu ne laisses pas partir mon fils, je tue vos fils. Parce que spirituellement parlant, Israël est le premier-né. Et tous les autres peuples sont les enfants de Dieu, mais le premier né, c'est Israël. Donc c'est avec lui qu'il tisse l'alliance pour que tous les autres peuples soient sauvés. Il a dit à Abraham, je te bénirai pour que les nations soient bénies par toi. Donc de toi va sortir le Shiloh, mais le Shiloh, le sauveur, il vient pour sauver les autres peuples. Donc Israël est comme le premier né. Donc il a dit à Pharaon, tu ne libères pas mon premier né, tu ne laisses pas partir mon premier né, je tue vos premiers nés. Donc il a tué tous les premiers fils des Égyptiens. Parce qu'ils se sont entêtés, ils n'ont pas voulu laisser partir son premier fils à lui. Est-ce que Moïse a eu besoin d'aller frapper, tuer chaque enfant dans chaque maison? Moïse était devenu surnaturel. Moïse était devenu surnaturel. C'est pour ça qu'il avait des résultats surnaturels.
Moïse était devenu extraordinaire. C'est pour ça qu'il avait des résultats extraordinaires. Il jette son bâton, ça devient un serpent. Il récupère, ça redevient un bâton. Il prend l'eau du fleuve, ça se transforme en sang. Il produit des moustiques, des mouches, plein de choses. Il est devenu extraordinaire. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'on va produire. Je suis en train de vous dire qu'il est important que vous ayez votre percée de manière spirituelle. Si tu n'es pas en contact avec Dieu, pour qu'il te montre des choses, pour qu'il te parle, pour qu'il te donne la direction, de manière physique, tu ne peux pas faire des exploits. Parce que tu es juste ordinaire. Donc, tu n'es pas connecté au ciel. Tu n'es pas connecté à ton Père. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait ce qu'il a mis sur ton chemin. Et donc, c'est ta communion avec lui qui peut te guider. On veut faire des exploits avec Dieu. Donc, on dit connaître Dieu pour faire des exploits. C'est le dernier jour. J'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire qu'en sortant de ce jeûne, sortez avec la relation avec Dieu. Devenez des hommes spirituels. Ce monde dans lequel on est, ça, l'obscurité s'accentue de plus en plus. Les gens deviennent de plus en plus ennemis de Dieu. Et nous qui sommes de la lumière, notre lumière ne doit pas être juste de petites lumières que les ténèbres peuvent envahir facilement. Nous devons réellement briller. Notre intensité doit grandir pour que nos familles connaissent Dieu, pour que nos voisins connaissent Dieu, pour que nos collègues partout reçoivent Dieu. On doit être de véritables chrétiens, des hommes extraordinaires. Pas que, voilà, on est bizarre, non. Jésus n'était pas bizarre, mais il avait la puissance de Dieu avec lui. Tu as besoin de la puissance. Pierre a marché après Jésus. Il n'était pas devenu bizarre après, mais il était devenu un homme surnaturel, un homme spirituel, un homme extraordinaire. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Ce n'est pas que tu vas voir un buisson. Pierre n'a pas vu un buisson. Eux, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et ils sont passés à une autre dimension. Tu dois gravir les échelons avec Dieu. De sorte que quand tu es quelque part, la puissance de Dieu se manifeste en toi et autour de toi. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent manifester l'onction. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent manifester l'onction. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quand tu crois en lui, ce n'est pas forcément que tu es pasteur. Joseph n'était pas un homme de Dieu. Il était accompagné par la grâce. Là où tu travailles, on doit sentir, ce n'est pas par tes efforts, hein, mais il y a quelque chose, un rayonnement sur toi qui met la grâce, qui met la bénédiction. On ne doit pas souffrir devant certaines situations. Pourquoi? Parce que tu es connecté au Père. Moïse, quand il devait construire le tabernacle, le Seigneur lui a montré le modèle dans la prière, dans sa communion avec Dieu. Dieu lui a montré le modèle du tabernacle. Moïse, c'est selon ce qu'il a vu qu'il a fait bâtir le tabernacle. Quand tu as une communion avec Dieu et que lui, Dieu, il te parle, il va te guider et tu vas bâtir ta vie selon ce que tu as vu, selon ce que Dieu te montre, selon la direction qu'il te donne, tu ne feras que télécharger ce que tu as reçu spirituellement. Donc, ce qui est déjà bâti spirituellement, c'est ça que tu vas bâtir de manière physique. Tu ne peux pas avoir des résultats surnaturels si tu es toujours naturel. Tu ne peux pas avoir des résultats extraordinaires si tu es toujours ordinaire. Tu ne peux pas avoir des résultats qui relèvent du spirituel si tu es juste physique. Décider de devenir des hommes spirituels, des hommes surnaturels, des hommes extraordinaires. Décider de le devenir. Nous sortons de ce jeûne avec la puissance. Maintenons la puissance par notre relation avec Dieu. Et prions et agissons. Prions et agissons. On veut faire des exploits, c'est ça. Tu ne peux pas faire des choses extraordinaires. C'est de ça qu'on parle, quand on dit exploits, là. Ce sont des choses extraordinaires. Deviens toi-même extraordinaire et l'extraordinaire va t'accompagner. Deviens surnaturel et le surnaturel va t'accompagner. Deviens spirituel et le spirituel va t'accompagner. Alors, aujourd'hui, dimanche 24 septembre 2023, nous sommes au 21e et dernier jour de notre temps de jeûne et prière. Comme on a l'habitude de le dire, nous sommes arrivés à la gare. C'est à 18h qu'on arrête le jeûne, le programme. Amen. Félicitations, bravo à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 21. Et c'est le dernier chapitre aussi de Jean. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je vis et je fais des exploits ». Oui, Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Et même quand tu auras quitté la terre,
De l'autre côté, il veut que tu aies la vie éternelle. Cette vie-là, c'est comme un test. Quel que soit le nombre d'années que Dieu nous a donné à vivre, quand notre temps viendra, on partira. Mais il faut qu'on ait, on ait avec nous le passeport de la vie éternelle. C'est Jésus. C'est pour ça qu'on dit connaître Dieu pour faire des exploits. Dieu veut que tu vives. Il t'a donné la vie, pas que tu vives dans le péché, mais il veut que tu vives avec lui. Que tu sois heureux, heureuse, que tu réalises des choses, que tu aies de l'impact, que tu puisses profiter de cette vie. Arrête de raser les murs, arrête de toujours penser à ce qui ne va pas, arrête de trimballer voilà, les douleurs d'hier, arrête de trimballer ce qu'on t'a fait avant, ça remplit ton cœur et tu n'arrives pas à avancer. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu veut que tu aies le cœur pur, libère ton cœur et vis. Il y a des gens qui sont déjà partis. Bénis le Seigneur. Donc, le sujet de prière est, je vis et je fais des exploits. Dieu veut que tu vives et Dieu veut que tu fasses des exploits. Mais les exploits là, c'est avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Connaître Dieu pour faire des exploits. Quand Dieu est dans ta vie, les exploits deviennent des choses de tous les jours. Parce que ce n'est pas toi qui les fais, mais c'est parce que lui, il est avec toi que sa puissance, sa présence t'amène à faire des exploits. Dieu veut que tu sois heureux, mes frères, mes sœurs. Dieu veut qu'on soit heureux. Soyez heureux. Savourez la vie. Bénissez le Seigneur. Mais ne vous éloignez pas de lui dans le péché. Parce que sinon, bonjour encore les problèmes. Bonjour les attaques. Bonjour les démons. Bonjour les situations difficiles. Je vis et je fais des exploits pour la gloire de Dieu. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Quand Dieu te donne sa gloire, Dieu te donne ses grâces, ses bénédictions, tu dois toujours être pauvre en esprit. Tu dois te dire que ceci ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Si même tu es riche, si tu fais même des exploits, tu as de grands résultats. Mais si dans ta tête, tu te dis tout est pour la gloire de Dieu. Si dans ta tête, tu te dis tout est pour la gloire de Dieu, alors tu seras toujours humble parce que tu es pauvre en esprit. Tu as ces choses-là, mais tu te dis c'est pour Dieu. Parce qu'effectivement, on va tout laisser partir. Job a dit, nuit on est venu, nuit on ira. Je vis et je fais des exploits pour la gloire de Dieu. Il marche à mes côtés. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Il veut te précéder. Jean chapitre 8 au verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Dieu doit marcher à tes côtés tous les jours. Il doit te précéder comme la nuée a précédé le peuple. Dans la nuit, c'était le feu pour les éclairer et pour les protéger. Mon frère, ma soeur, tu as besoin que Dieu soit avec toi. On t'a déjà appris comment maintenir la présence de Dieu dans ta vie. Il faut maintenir, il faut garder le rythme spirituellement. Amen. Il marche à mes côtés, me guide et me protège. Oui, c'est très important. Jésus a dit, suivez-moi. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Suivre Jésus, c'est marcher selon la parole de Dieu. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et lui, il est la parole faite chair. Donc, marcher selon la parole de Dieu, tu es en train de suivre Jésus. Alors lui, il va au fur et à mesure te faire tes exploits. Pierre a suivi le Seigneur. Il est passé effectivement de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Dieu veut que tu vives ta vie selon lui, que tu vives ta vie avec lui, afin que tu aies les résultats qu'il a prévus pour toi. Que tu vives ta vie avec lui, afin que tu aies de l'impact. Tu n'es pas venu traverser la terre juste comme ça, sans laisser des traces. Tu es là pour écrire ton histoire. Tu es là pour accomplir ta destinée. Donc Dieu doit marcher à tes côtés. Il doit te guider et il doit te protéger.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Mes frères, mes sœurs, tu peux réussir, tu peux tout accomplir, mais spirituellement parlant, tu peux être combattu. Tu as besoin que la main de Dieu te protège. Tu as besoin que sa grâce soit avec toi. Tu as besoin qu'il te guide. Tu as besoin que celui-là qui ne sommeille ni ne dort veille sur toi pendant que tu dors. Toi et ta famille, vous dormez. Parce que la Bible dit, il y a des gens qui dormaient pendant leur sommeil. On a semé des livrets dans leur champ. L'ennemi est venu semer des choses. Il y a des attaques pendant la nuit. Psaume chapitre 91 nous parle des flèches qui volent la nuit et dans la journée. La peste qui attaque, la contagion. Nous avons besoin que l'Éternel protège nos vies, protège nos familles, protège nos biens. Tu as besoin de marcher avec Dieu. On t'a déjà montré comment maintenir la présence de Dieu. Soyez des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Établissez un programme de prière et priez tous les jours. On vous a déjà appris à méditer la parole. Méditez-la tous les jours. On a fini l'évangile de Jean aujourd'hui. Vous pouvez prendre le passage qui suit Actes et lire un chapitre chaque jour. Ou bien vous pouvez retourner à Matthieu pour lire un chapitre chaque jour. Alléluia. Il faut maintenir le rythme. Il marche à mes côtés, me guide et me protège. J'accomplis de grandes choses. Victoire! Alléluia! Dieu marche à tes côtés, forcément tu vas accomplir de grandes choses. Et tu vas faire des exploits. Il marche à mes côtés, me guide et me protège. J'accomplis de grandes choses. Victoire! Les grandes choses là, c'est ça les exploits. Accomplis de grandes choses là, c'est ça faire les exploits. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Si vous savez que nous sommes de Dieu, alors entrez dans une alliance financière avec l'église La Moisson. Chaque fois que vous voulez faire parvenir vos dîmes, pensez à l'église La Moisson. Chaque fois que vous voulez faire des offrandes d'action de grâce, pensez à l'église La Moisson. Nous avons besoin de ça pour ouvrir les œuvres partout, ouvrir des églises pour former des gens. Jésus-Christ revient et dit de faire de toutes les nations des disciples. Voilà. C'est vrai qu'on doit aider les pauvres, les orphelins, et on le fait, l'église La Moisson le fait. Mais la première chose, c'est d'abord de parler du salut. Même Jésus l'a prêché avant de partager le pain. Donc, on va installer le salut, et après, maintenant, on peut aider les gens dans les églises qu'on ouvre. C'est comme ça. Donc, contactez-nous à notre guichet unique, 00337-51-51-25-16. 00337-51-51-25-16. Guichet unique, vous nous écrivez sur WhatsApp et nous maintenant on vous donne toutes les coordonnées pour pouvoir faire partie là où vous devez faire partie pour que vous puissiez maintenant donner votre offrande, soit par dépôt mobile ou bien transfert ou bien par virement, ça dépendra de vous, mais c'est au même numéro qu'il faut nous contacter sur WhatsApp. Voilà, soutenez cette œuvre. Si le jeûne vous a fait du bien là, vous devez donner votre offrande pour dire au Seigneur, voici à quel niveau je veux faire mes exploits. Donne-moi selon ceci ou alors multiplie. Voici ce que je fais. Je pose un acte de foi à travers mon offrande. Ce mercredi, le direct, ce sera spécial témoignage. À partir de 12h30, toujours, connectez-vous sur nos différentes chaînes. Voilà. Le jeûne lundi, c'est jusqu'à la gare. Là, on est arrivé à la gare. À 18h, on arrête. S'il est déjà 18h aussi, voilà, on a déjà arrêté. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo. Ceux qui veulent nous envoyer la vidéo de louange, voilà. Il faut l'envoyer à ce WhatsApp et on va mettre en ligne pour célébrer le Seigneur ensemble. Préparez-vous. Dès début novembre, on commence un autre programme. Sans jeûner, haute tension spirituelle, prière, feu, 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 feu. Au nom de Jésus. Soyez bénis.